les candidats se sont présentés devant le jury et ont survécu à leur entretien poker. David, Yvan et Thomas sont ceux qui ont réussi à prendre le meilleur départ en faisant grimper leur stack de 10 000 jetons. Ce stack leur servira à s'affronter les uns les autres autour d'une table de poker lors d'un sit and go qui aura lieu très prochainement. De kandidaten hebben zich afgelopen weken niet enkel moeten voorstellen aan onze jury, ze hebben ook 3 live sessies gespeeld in Studio Gigi. Elk lid van Team Gigi Poker Belgium moet in staat zijn om een goede live pokerstream te serveren voor de Gigi Poker community. Lors de ce nouvel épisode, Johan et JM, nos deux hosts officiels du Studio Gigi, vont revenir sur les différentes prestations de nos candidats. Meya et moi-même avons suivi cela de très près, et je suis très curieuse de voir ce qu'ils en ont pensé. Sachez que tous ces streams restent encore disponibles sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer des aventures Boss 9. Hey là, Chamarie. Johan. Zeg, we hebben drie heel drukke weken achter de rug. Hè. We hebben 9 streams gedaan in de studio. Hoe was dat voor u? Ça s'est très bien passé. Je pense que les candidats ont vécu une chouette expérience et puis chacun a eu un petit peu son moment de gloire. Ja, we hebben ze natuurlijk een half uur tot een uur verplicht om als solo-host te fungeren in de studio. Misschien moeten we dat eens allemaal hard bekijken en onze feedback daarover geven. Bonne idée. Je pense qu'on va commencer avec Nicolas. C'est lui qui avait commencé. C'est pas possible. À la rivière, toujours. C'est pas vrai, non mais sérieux quoi. Ah, la rivière, c'est fatal. J'ai une petite question pour toi, Yvan, moi. Comment ça se passe aux tables de poker, justement, quand... Quand t'as pas ton traducteur avec toi? Bah, pas de soucis. Par exemple, je joue très souvent au casino. Donc, une petite seconde, j'explique un petit peu pour les personnes sourdes. Voilà comment je fais. Je mime énormément. Voilà. Je montre avec mes mains visuellement. Je fais des signes avec mes doigts, avec mes mains. Plus, moins, tapis. Je montre tout visuellement. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu quelques couacs avec le dealer. Au casino. Je me doute parce que déjà en entendant des fois il y a des problèmes. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Des fois avec les personnes entendantes, il y a des couacs, mais alors là avec les personnes sourdes, il lui est déjà arrivé par exemple de faire tapis, de faire deux signes de main qui montrent, qui poussent tous ses jetons et que le dealer croit qu'il fold en fait, tout simplement. Et qui veuille ramasser tout le jeu. Oui, et... puis il annonce pas quand il arrive qu'il est sourd. Et donc tout le monde, enfin personne le sait en fait. Donc c'est compliqué, tu vois. Mm. Ouais, c'est normal. Je pense que c'était une très bonne question, Nicolas, Yvan. C'était très intéressant pour les téléspectateurs. Maintenant, Johan, je pense que c'était une des rares questions que Nicolas a posées aux autres joueurs. Et je pense que pour être animateur dans un stream, il faut être un petit peu plus actif. Ça n'a pas été vraiment le cas de Nicolas. C'était une première, c'était la première des émissions, c'était pas facile, mais je pense que c'était pas non plus trop son truc. Ja, daar ga ik mee akkoord. Nu, gelukkig, mijn eerste co-host was Evert, en daar ging dat net iets vlotter. En we zijn weer terug. Momenteel nog even zonder Johan, die heeft ons even aan ons lot overgelaten, laat het zo zeggen. Maar, dank u, ja, het is tijd voor Boss 9 After Dark nu. Hè. Het is 10 uur, dus we kunnen eraan beginnen, mannen. Het is power hour. Ja, de hour of power. Ik heb ook wel een beetje dat gevoel, omdat er bepaalde tafels toch op het randje beginnen komen. Like deze hier 10 big blinds, deze hier 17. Ja, ja. Dus het zal een cruciaal uurtje worden. Alles kan. Ik was nog een antwoord verschuldigd. We hadden al M&M uitgenodigd. Wie nog? Janika Zaltis. Janika Zaltis. Interessante combo. Mijn keuze voor een niet-pokergerelateerde persoonlijkheid. Misschien wel Max Verstappen. Evert heeft eigenlijk een hele mooie introductie gegeven bij de start van zijn co-hosting. Hij was ook heel aandachtig voor de spelers tijdens dat uurtje om de handen die ze gespeeld hebben een beetje te evalueren, om hun wat tips te geven om handen beter te spelen. Hij heeft natuurlijk iets meer ervaring op pokergebied dan de andere spelers, dus dat was heel tof. Het enige kleine puntje van kritiek, maar het is een klein puntje van kritiek, is dat hij het After Dark aspect iets te letterlijk heeft genomen door toch wel zichtbaar alcohol te drinken als host voor de camera. Maar al bij al heeft Evert eigenlijk een hele goede beurt afgewerkt. Pour le coup, moi j'ai moi-même suivi l'émission.
J'avoue que je partage un petit peu ton sentiment. C'était vraiment pas mal. Bon travail de Evert pour le coup. Bon, pour la petite pincée d'alcool, je dirais que ça l'a peut-être mis à l'aise. Hein. On va dire que. Mais bon, après, je te comprends. De eerste week heb jij afgewerkt met Luigi. Ja. Ik heb jammer genoeg de stream niet kunnen bekijken, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Et donc voilà, on est de retour. Je suis seul pour streamer avec nos deux amis. On va justement parler des objectifs, comme Jean-Marie n'a pas terminé sa question tout à l'heure. Patrick, tes objectifs poker à court, moyen, long terme, si tu peux expliquer ça. Moi, à court, moyen, on va dire pour l'instant, j'essaye de m'améliorer comme tout le monde. Parce que j'ai un objectif tout le monde. Justement, je suis ambitieux et mon ambition, c'est d'arriver plus haut, de monter déjà une bankroll pour pouvoir commencer à jouer déjà. Crush des plus hautes limites. C'est ça, justement. Mm-hmm. Jean-Marie, was dat nu Luigi zijn broer of was dat Luigi zelf? C'était bien lui. Mais il avait été chez le coiffeur, il avait été chez le barbier, il s'était habillé différemment. Non, mais c'était définitivement bien Luigi. Il a un peu travaillé comme Evert, je dirais. Il a commencé de la même manière. Donc, il a commencé par une question d'introduction qui était plutôt intéressante. Ensuite, malheureusement, petit à petit, pendant le stream, il s'est éteint. Je pense que c'est quelqu'un de timide et c'est difficile pour lui d'animer une émission. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose sur Luigi. Ce stream m'a permis de finalement le rencontrer, dans le sens où c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est très famille et qui a toujours souligné les gens qui étaient autour de lui. Il pense toujours aux autres avant de penser à lui. Et je trouvais que c'était important de le souligner. Dat is inderdaad een heel mooie eigenschap. Nu, alle streams staan nog op ons YouTube-kanaal, dus ik ga die zeker nog eens even bekijken. De tweede week was voor jou direct een heel grote uitdaging om mee te starten. Ouais, en effet, comme tu dis, c'était un gros défi, puisque j'ai animé cette émission avec Yvan, qui est donc la personne sourde de notre compétition. Et c'était pas évident, mais je suis curieux de vous montrer comment ça s'est passé. J'ai vu qu'Yvan a sorti quelques notes. Félicitations Seb pour ce premier item. Tu disais, t'as vu qu'Yvan a sorti quelques notes. Ouais. En effet, on va laisser place au suspense. Des surprises. Des surprises. Luigi demande, qu'est-ce que t'as noté? Patience, ça va arriver. Ah, des notes carrément. Ouais, il a préparé quelques petits trucs là. On a hâte de découvrir tout ça. Ok, alors. Luigi, comment tu sens ta première? Ouais, ça va. J'étais assez confiant et finalement, on n'y prenne pas tant que ça. Donc, ça va venir. Bah, j'espère. Je t'avoue que je me sens un peu plus à l'aise quand même que au micro à côté de Jean-Marie. C'était un petit peu. Tu m'étonnes. C'était un petit peu plus stressant. Petite question là, les gars, de la part d'Yvan. Quelle est votre plus longue période où vous n'avez rien touché? Alors, comme vous avez pu le voir, animer cette émission a été particulièrement difficile pour Yvan. Je pense que le fait que son traducteur soit juste à côté de lui rendait les choses plus compliquées. Je me souviens que quand il était au poste de joueur, son traducteur était en face de lui et ça a rendu la communication beaucoup plus fluide. J'étais étonné positivement. Mais quand il a été au poste d'animateur, en même temps, pouvoir expliquer ce que les joueurs font, recevoir la traduction de ce que les joueurs disent et vouloir lui-même exprimer ce qu'il dit. Je pense que c'était compliqué. Ja, het spreekt voor zich dat wij Ivan natuurlijk in alle aspecten willen ondersteunen om ook een stream tot een goed einde te brengen. Als speler was dat inderdaad heel tof om te zien. Als host iets moeilijker. Ik denk dat dat toch altijd een moeilijke oefening zal blijven. Ouais, je pense qu'on peut maintenant même passer au deuxième candidat. Deuxième candidat qui est Simon, candidat néerlandophone. Simon qui est quelqu'un qui est plutôt facile hein, pour parler. Est-ce que Johan a dû le tempérer un peu? Onderweg naar hier zat ik ook nog aan een vraag te denken voor jullie, maar het kwam eigenlijk een beetje in lijn met die vraag die eerder gesteld werd over. Ik zal mijn vraag eigenlijk eens formuleren. Als je mag kiezen, Thomas en Evert, dat je nu ter plekke 1 of 2 miljoen euro kan krijgen en op dat moment teken je contract dat je nooit nog pokert in gans je leven. Wat doe je?
Hoeveel miljoen? 1. Laat ons beginnen met 1. Want we gaan straks... Ah, de prijs opdrijven. De prijs opdrijven. Om te zien of jullie omvoerbaar zijn met geld. Of, voor 1 zou ik nog niet stoppen. Ik heb iets te veel plezier aan het spel. Ja, vooral. Ik denk ook dat het niet per se is omdat je denkt misschien... Allee, misschien wel dat je dat miljoen gaat overstijgen gedurende je pokercarrière. Dat zou mooi zijn. Ja, dat is... Maar het is vooral voor plezier eigenlijk. Ja. Dat je... En hij Evert? Ja, dat is een moeilijke vraag, ja. Dus 1 miljoen. Er zijn wel andere dingen waar je plezier mee kunt maken. En met een miljoen kun je ook veel plezier maken, dus ja. Ik ben wel, ja, ik ben een beetje pot committed in poker nu, dus ik kan moeilijk zeggen, ik stop ermee. Ja. Ik ben pot committed, hè. Ik heb er zoveel tijd in gestoken. En, ja. Ja, ik doe het ook graag, dus ja. Ja, Simon had zich dus heel goed voorbereid op de stream. Hij had enkele vragen voorbereid thuis. Zodanig dat hij er zeker van was om heel de tijd te kunnen volpraten. Dat vind ik eigenlijk heel goed. Het jammere is misschien dat hij er misschien iets te weinig gebruik van gemaakt heeft. Maar de vragen die hij gesteld heeft, hadden echt wel inhoud. Ja, c'est vrai. Et puis... On peut directement remarquer, c'est mon sentiment, qu'il y avait une bonne synergie entre les joueurs néerlandophones. Je pense que les émissions aussi étaient très fluides, ça s'est vraiment très bien passé. Mon sentiment, c'est que les hosts étaient peut-être un peu mieux préparés et que du coup, ça facilite peut-être un petit peu le travail des joueurs. Ja, ik ga daar volledig mee akkoord. Dat was ook mijn aanvoelen. Nu, die derde week hebben we natuurlijk afgesloten met Patrick. Oui, Patrick, en effet. Patrick est un joueur très passionné, avec sa communauté qu'il chérit très fort, et ça on a pu le remarquer, on peut le regarder. Ah oui, moi il m'est arrivé un chouette truc ce matin, j'ai reçu un cadeau d'une fan. D'une femme ou d'une fan? Une fan, mais c'est une femme aussi, une personne âgée qui habite en France, qui me suit beaucoup au poker, ainsi que dans le groupe. J'ai reçu un verre de bière Tubor. Avec mon nom de joueur, j'ai reçu un verre alcool avec le dessin des 5 cartes. Ok, qui est l'emblème de votre club, c'est ça? Non, c'est okay. Les 5 cartes, une gravure qu'elle a fait faire sur verre. Ok. Et elle représente quoi les 5 cartes? De l'As au 10. Ok. Juste une suite, quoi. Ouais, une suite, quoi. Ouais. Alors, des petits cadeaux de parfum et tout ce qui s'en suit. Alors, c'est la Larousse, je voulais la remercier, je te fais des gros bisous. C'est la doyenne du groupe en plus. Ok. Ja, dat is inderdaad wel een heel mooi moment. Nu moet ik wel zeggen dat ik terug het gevoel had bij Patrick dat hij heel gestresseerd was, heel nerveus. En dat gaf mij de indruk dat hij niet echt het stuur in handen had van de stream. Dat hij als host niet echt de leiding had. Ouais, en effet, on avait déjà pu le constater hein, lors de son premier passage devant le jury que les nerfs lui avaient joué un mauvais tour. Ça s'est repassé ici sur ce stream, très stressé, très nerveux. Ça s'est ressenti, même si ça s'est un peu atténué sur la fin du stream. Je pense qu'il va devoir être très attentif à ses nerfs pour la fin de ses Boss 9. Et c'est un élément sur lequel il va devoir travailler. Ja, dus Patrick, daar heb je nog wel werk aan de winkel. C'est donc comme ça que nous avons terminé la deuxième semaine. We zijn bij de derde week aanbeland. Jean-Marie, de laatste week is voor u gestart met Sébastien als co-host. En effet, l'animation pour Sébastien, c'est presque une seconde pause, c'était facile, il l'avait déjà fait. Donc ça s'est plutôt bien passé. C'est aussi celui qui a ramené le plus de monde de sa communauté sur le stream. Et ça s'est traduit par le plus grand nombre d'interactions aussi sur le chat. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis Sébastien, c'est quelqu'un, on le sait, c'est plutôt quelqu'un de marrant. Et je pense que ça s'est traduit aussi sur l'émission. Ja, nu hebben mij heel benieuwd gemaakt. Laat ons eens kijken. Question suivante. Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Alors, je suis pas... Lui la suite, tu vas comprendre. Lui la suite. Et surtout, presque... Ok, je comprends mieux. Ok, d'accord. Ok. Donc, on va passer. Tigère, merci. Hier kan ik niet volledig volgen, Jean-Marie. Ça m'étonne pas trop. Si t'avais compris, ça m'aurait beaucoup surpris. C'est une référence typiquement française, d'une émission française, une blague française, donc ne t'inquiète pas pour ça. Ok, dan ga ik er ook niet verder op ingaan. Ik vind het alvast heel goed dat Sébastien zijn ervaring heeft meegebracht naar de stream en die ook heeft uitgespeeld. Top. En effet. En ce qui te concerne, si je dis pas de bêtises, ta dernière émission,
zit avec Thomas. Ja, en Thomas is als kerstman eigenlijk naar de studio gekomen. In die mate zelfs dat ik het schema dat wij hadden afgesproken licht heb moeten aanpassen. Ik propose qu'on garde ça ensemble. Goed, ja, de reden dat we een kleine programmawijziging gedaan hebben is eigenlijk het volgende. Ik ben wel gekend als de blazer. Als ik vanavond niet kan spelen, ga ik toch proberen op een andere manier te blazen door ja, een groot aantal leuke giveaways te organiseren voor de chat vandaag. Dus we hebben een paar items dat we kunnen wegschenken. Dat gaat ook gebeuren. De instructies daarvan die ga ik straks geven, zodat iedereen nog kan aansluiten. Het leuke dat ik ook al kan verklappen, is dat beide spelers vanavond procentjes hebben te koop gesteld. Ook voor de chat of voor andere mensen die geïnteresseerd zouden zijn. Kunnen dus meedoen, mee sweaten met de boys vanavond. Yes. Ja. Dat is in het toernooi. Even... Straks om 8:45 start de Bounty Hunters Deep Stack Turbo 52,5. En daar kun je voor kleine stukjes alvast procenten kopen van ons allebei. Ik heb verplicht de markup op 1 laten staan. Het ging hier van 0,99 naar 1,99, dus het is gewoon een taal vandaag. Wow, tous ces cadeaux de la part de Thomas. Tous ses efforts pour rendre son stream plus appréciable. À propos d'efforts d'ailleurs, je trouve qu'il en a fait pas mal pour tenter de répondre en français à toutes les sollicitations qu'il a reçues. Et évidemment, de mon côté, ça, je l'ai apprécié. Ja, ik moet zeggen dat zowel Thomas als Evert en Simon alle drie hun streams heel goed hebben voorbereid. Ze hebben dat goed aangepakt als host. En dat maakt me toch wel een beetje trots op mijn mede-Vlamingen. Oh, je comprends, mais t'en oublie un, puisque David est aussi à moitié flamand, hein, il est quand même bilingue. David qui lui a entamé son émission un peu plus orientée poker. Il aime beaucoup parler des mains, il aime bien utiliser les différents sons. Et moi je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Donc bah voilà, ça fait un an et demi. C'est dans le 21, j'ai As-9. On a As-9 du côté de chez Patrick, on a décidé de tout mettre, c'est dans le 21 Bounty. Ouais. On est call du côté de chez le Brésilien. Pas de dame, pas de valet. Allez. Oh là 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 là. Tout ma vie pour un homme de chat. Et on a tout mis aussi, malheureusement, de ce tournoi. Alors que chez Luigi, on a aussi mis tout au mieux. Avec paire de 7 en face. Paire de 7 contre As-Roi qui fait également brelan. Il faudrait un pick turn. Non, il fait full. Mais tu sais quoi, regarde ici, on va mal. Je me dis pas que ça va mal se passer. Là, et on a de nouveau As-Roi avec un stack parfait pour partir à tapis. C'est cool. Est-ce qu'on va être payé? C'est payé. Il faudrait éviter. Ah, il faut vous toucher un as, un roi. Allez, l'as. Oh, ah, tu vois, c'était le bon bouton. J'ai trouvé le bon bouton en fait. Ja, dat is wel goed. Ik heb ook gezien dat David zijn ketting niet droeg. C'est vrai. Peut-être écoute-t-il les conseils du jury désormais. Ja, waarschijnlijk wel. Nu, het maakt ons natuurlijk niet uit hoe dat iemand er exact voorkomt. Al komt hij in zijn Borat-pak de studio binnen. Als hij een goede stream afleveren, is voor ons het belangrijkste. En effet, je pense que le plus important, c'était que tout le monde prenne du plaisir. Et ça, je pense que ça a été le cas. Je pense que c'était une bonne expérience pour tous les joueurs. J'ai envie de les remercier, chacun d'entre eux, pour ce qu'ils ont pu nous apporter et ce qu'ils ont pu apporter aux gens pendant ces émissions. J'ai envie de te remercier, toi, Johan, d'avoir animé ces émissions-là avec eux aussi. Donc, on reste sur un merci, je pense. Ja, dankjewel. Voor u ook, Jean-Marie. Je hebt eigenlijk uw kandidaten heel goed bijgestaan in hun streams. Want we mogen niet vergeten, voor ons is het dagelijks werk. Maar voor hun was het een allereerste keer voor de meesten om het in een studio een uur lang te hosten. Niet evident. Non, c'est vrai. C'était donc pour eux une première expérience. Et comme on l'a dit, Gigi. Gigi. Merci beaucoup, Johan et JM, pour vos commentaires et évaluations. Les gagnants de ce challenge au studio GG ne seront connus que lors du grand show final. Par contre, ce que nous savons déjà, c'est le nombre de jetons que chaque candidat a réussi à remporter lors des streams. Ja, dat klopt. Binnenkort gaan de 9 kandidaten op weekend. Ze gaan niet alleen leuke challenges in verschillende categorieën doen, maar ze gaan ook een sit-and-go spelen aan de tv-tafel in Grand Casino de Namur. Elke kandidaat heeft 10.000 chips als startstick gekregen. Maar bij elke challenge dat ze doen, kunnen ze nog extra chips verdienen.
Na de jury-sessies zag de tussenstand er als volgt uit. Ivan, David en Thomas namen de koppositie met elk 20.000 chips. Sebastian, Nicolas en Simon volgden met elk 15.000 chips. Patrick, Evert en Luigi sloten de ranking af met 13.000 chips. Lors des sessions de stream, chaque place ETM permettait à nos candidats de remporter 1000 jetons supplémentaires, avec un plafond à 5000 jetons. Après avoir joué 12 tournois online, ce sont Thomas et David qui arrivent à performer au mieux, en atteignant chacun 3 ETM. En tête de notre classement, nous retrouvons donc David et Thomas avec 23 000 jetons. Ils sont suivis d'Yvan qui a 21 000 jetons. Nicolas vient en 4e place avec 17 000 jetons. Simon et Sébastien se partagent la 5e et 6e place avec 16 000 jetons. Luigi et Patrick sont 7e et 8e avec 14 000 jetons. Et enfin, Evert clôture notre classement avec 13 000 jetons. Mais de nombreux défis sont encore à venir et il se pourrait bien que ce classement soit encore complètement chamboulé. Het voorbereidend werk is achter de rug. Vanaf volgende week mogen de kandidaten de handen uit de mouwen steken. Samen met heel het productieteam vertrekken de 9 kandidaten op een action-packed weekend. Gedurende 3 dagen zullen ze heel wat challenges moeten doorstaan met als afsluiter een sit-and-go aan de tv-tafel in Grand Casino de Namur. Comme d'habitude, nous avons hâte de découvrir la suite de cette Boss 9. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être sûr de ne rien rater. Et découvrez avec nous qui deviendra le nouveau membre de la team GG Poker Belgium 2023.